Ça, c'était une prise difficile. Nom d'une méduse, mais qu'est-ce que tu me veux? Je veux te mordre. Burk, ça sent pas bon. Cette odeur de poisson est écœurante. J'ai pris une douche aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est fou! J'attends un bébé! Hé, sirène, regarde! Je suis enceinte! Alors on va être deux. On va avoir des bébés toutes les deux. Les filles, moi aussi je suis enceinte. On sera bientôt toutes les trois des mamans. Félicitations. Merci. Oh, j'en peux plus. Ça sent tellement mauvais. Oh, je me sens mal aussi. Pareil. Comment ça se présente, Doc? Qu'est-ce que c'est? Un garçon ou une fille? Je peux voir. En fait, je peux pas. Il y a des chauves-souris. Ah oui, bien sûr. Une vieille tradition familiale. Voici la nourriture. Pour les attirer. Au secours! Docteur, où allez-vous? Ah, il est bon à rien. Quoi? Je suis déconcerté. Hé, les amis, bonjour. Mettez autant de pouces en l'air que vous le pouvez pour que l'image soit téléchargée. Oh, c'est une fille! Les amis, on va y arriver. Merci mille fois. Je vous adore. Bonjour, hey. Docteur. Hey. Oh, c'est quoi ce truc? Comment on l'utilise? Est-ce qu'on repasse les robes avec ça? Non. D'accord. Je vais faire comme les autres. J'utilise les marguerites. Garçon, fille, garçon, fille. C'est une fille, je le savais. Quoi? Je ne suis pas une fille, moi. Hé, hey, je suis un garçon. Le bébé donne des coups de pied. Prête à découvrir si c'est un garçon ou une fille? Ça, c'est pour toi. Oh, trop bien. Garçon ou fille? Fais éclater le ballon pour le découvrir. Le ballon s'est envolé. Maintenant, je ne le saurai plus. Ne pleure pas. Plan B. Une bombe à cotillon. Tire pour découvrir. Ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que je vais avoir? Un garçon ou une fille? Dites-le moi dans les commentaires. Hein? Je vais être papa. Fais dodo, petit poisson, fais dodo. Attends un peu, je vais chanter aussi. Je suis comme les sirènes, je serai le meilleur des papas. Mon petit bébé tout doux, je chanterai toute la nuit, comme tu le voudras. Je t'aime déjà, tu es mon bébé, je suis ton papa. Bon travail, chérie. Enfin la tranquillité. Moi, papa? Ouais! Attends un peu, j'ai déjà un cadeau pour notre fille. Waouh, elle va adorer. Combien de fois je dois le dire? Je suis un garçon. Oh, un coup de pied. La robe a dû provoquer cette réaction. Tu veux toucher? Allez, vas-y, tu peux. Aïe, ça fait mal. Oh, ça c'est ma fille, c'est sûr. Bien joué, bébé. Vampire nous a invités, mais elle ne s'est pas montrée. Bonjour, je suis votre serveuse. Voici notre menu. Oh, il n'y a que du sang. Oh. Une fleur? Waouh, c'est ce que je préfère. Burk, chacun ses goûts, je suppose. Voici notre meilleur sang. C'est un millésime 1996. Burk. Non, c'est pas mon truc. Il n'y a rien pour moi dans ce menu de vampire. Une seconde. Je reviens. Qu'est-ce que c'est? La spécialité du jour, du poulpe frais. Juste pour vous. Oh, merci. Juste là. Allez, pieuvre, partage ton encre. Burk, c'est dégoûtant. Merci, c'était vraiment bon.
Non. Non. Oh, je vais chercher des trucs pour bébé. Ça? Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. C'était moi qui l'ai vu en premier. Et c'est moi qui l'ai pris en premier. Laisse tomber. Oh, la moitié d'une robe. Ça ferait une queue parfaite pour mon bébé. C'est si inconfortable. Le rocher est si dur. J'arrive pas à dormir. Oh, un coquillage. Fais dodo, que la pierre devienne légère pour que je puisse bien dormir. L'heure d'aller au lit. Qu'est-ce que c'est? Ce cercueil est devenu tellement inconfortable. C'est pas possible. Il me faut un autre endroit pour dormir. Oh, ça c'est parfait. Joli. Hé, hey, vampire, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je dors à point fermé. Cette place est réservée. Oh, une tombe libre. Quelle aubaine! C'est occupé! Toute cette attente me tue! Je vais m'endormir sur place! Prenons un selfie! Tout le monde dit « Bébé !» Allez, montre-moi, montre! C'est vraiment pas bon, j'ai l'air horrible! Un vrai cauchemar! J'ai une solution! Un masque! Wow. Génial. Je prends les perles. Qu'est-ce que je vais faire? Ajoutons la couleur des vagues de l'océan. Plus de perles. Un peu de glamour aussi. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Wow, c'est génial. Je suis devenue une fée haute comme le ciel. Alors, un autre selfie? On est prête. Non, j'ai des contractions. Moi aussi. Et moi aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce bébé. Ça sent le poisson. Oh non, c'est une sirène. Petit bout de chou. Aïe! Le bébé m'a mordu. Ah, un vampire! Regarde, voilà ton poisson. Je veux dire, il y a un truc qui ne va pas, non? Ce ne sont pas nos enfants. Regarde, c'est ma fille. La fierté et la joie de la maman. Salut bébé, viens voir maman. Chante bébé poisson. Elle a un vrai don pour ça. Bloup, 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 poisson, poisson, des petites bulles, des requins. C'est tellement mauvais. Tiens, prends un bonbon. Ouf, elle s'est enfin calmée. Regarde ce que mon enfant peut faire. Chérie, viens ici. Montre-nous ce que tu peux faire. D'accord. Tiens, vous avez vu ça? Ah, vous n'avez pas encore vu ce que mon enfant peut faire. Mon fils, viens ici. Montre-nous. Waouh, pas mal. Il a appris tout seul. Wouhou, une balançoire. Désolé les copines, je dois y aller. À bientôt. Bye bye. Qui est là? Toi, je t'ai eu. J'ai une grande nouvelle. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile à croire. Je vais bientôt être maman. Génial. Moi aussi. Ouais, félicitations. Mon bébé est un peu sauvage aujourd'hui. À manger! À manger! Donne-moi un instant. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Ok. Enlevez ça de là. C'est pas bon? Et ça? Non. Très bien. Voilà. Bon appétit. Oh, voilà ce que je voulais. Je suis vegan. Quoi? Sors de là.
C'est quoi cette odeur divine? C'est si bon. Il me faut ce dessert. Hé, je peux en prendre une bouchée? Non. Hein? Donne-moi la tarte tout de suite. J'en ai envie. Non. Hein? Oups. C'est ta faute. Non, c'est la tienne. Ma chère petite chauve-souris, tu veux entendre un conte de fées? D'où viennent les vampires? Voilà. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Oh, bébé. Tu es prêt? Oui. Je suis sur un nuage. C'est l'heure de lancer le bouquet. Et voilà. Fin. Oh, bébé, qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi. Ouais. Mon lacet est défait. Je ne peux pas l'attacher moi-même. Je ne peux pas l'atteindre. Si proche. Non, c'est une cause perdue. En voilà un plan. Ami papillon, aidez-moi à faire les lacets. Merci, vous êtes les plus gentils. Oh non, vous avez tout gâché. Recommencez. Quoi? Non? Vous allez le regretter. Et maintenant? Mais oui, bien sûr. Ivy va me lancer une bouée de sauvetage. Merci, mon ami. Je m'en vais. C'est l'heure d'aller au lit. Je n'arrive pas à dormir. J'espère que ça ira mieux. Non, je dois essayer autre chose. Ne réveille pas le bébé. Je vais essayer. Non, ça ne va pas suffire. Comment je suis censée dormir maintenant? Quoi? Où est-ce que tu me traînes comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Chut, le bébé dort. Voici ta chambre. Fais comme chez toi. Ok. Tout va bien? Ouais. Pourquoi je dois partager la chambre avec toi? Je suis en train d'accoucher. On est deux. Respire. Je peux crier plus fort. Votre bébé. Félicitations. Mon bébé. Elle m'a mordu. Ça n'est pas mon bébé. Tenez, celui-ci, c'est bien le vôtre. Ma fille. Voici vos bébés. Ils sont magnifiques. Mais pourquoi ils pleurent? Oh. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ok, je vais t'aider un peu. Un peu de magie de la forêt. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci. Ça va beaucoup nous aider. C'est quoi tout ce bruit? Qui est là? La chose? Voici mon déjeuner. Pas si vite, le mec aux dents longues. Ça fait longtemps que ça dure. Il faut que je me prépare. Et voilà! Maintenant, on peut y aller. C'est quoi tout ce bazar dans la maison? La chose? Allez! À gauche. Ouais. Dis-moi la main. Quoi? La chose? Maintenant. Génial. Et ça fait mal? Je vais enfin pouvoir dormir. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? C'est horrible. Ma première journée en tant que vampire a été nulle. Il faut que tu entendes ça. La journée avait pourtant bien commencé. J'ai reçu de nouveaux crocs de première classe. J'ai mis mon pendentif préféré. J'ai ouvert une fenêtre. Et j'ai vu le soleil. J'étais à deux doigts de brûler.
J'ai voulu me couvrir avec un trophée, mais il s'est avéré que c'était de l'argent. Ma main avait l'air mal en point, alors j'ai utilisé une trousse de secours. Mais elle était pleine d'ail. C'était le pire jour de ma vie de vampire. De l'ail? Burk! Je vais te donner un coup de main, très bien. Allez, viens. Eh bien, ma chère élève, la première règle du club des vampires, les vampires boivent du sang. Miam, miam. C'est quoi ton problème? C'était si bon. La deuxième règle, utilise des gants. Tu vois ce trophée en argent? Ça brûle la peau des vampires. Tu ne dois pas faire ça. C'est compris. Troisième règle. Utilise un parapluie. Ça, c'est pour toi. Et ça, pour ton petit complice. Quoi? Wednesday, tu vas où comme ça? Oh non! Elle se dirige vers la foule des manifestants anti-vampires. Plus de vampires! Plus de vampires! Plus de vampires! Oh non, non, non! Wednesday! Wednesday! Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? C'est un pouce levé, ça? T'approche pas! Ne pousse pas! Eh bien, les amis, appuyez sur le bouton j'aime pour que je puisse prévenir Wednesday. Appuyez sur le like pour sauver Wednesday. Waouh, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Merci beaucoup. Wednesday! Hein? Très bien. Ouf. Hein? Vampire! Oh mon Dieu, ils sont après moi. C'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Envole-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Laissez-moi tranquille. Quoi? Un cercle de sel. Comment t'as trouvé ça? Très bien, on va te sortir de là. Ne bouge pas. Quoi? Ça marche pas. Ok. Griffe magique de vampire. Inutile. Le dernier espoir, le poivre. Noir comme mon âme, chaud comme les flammes du monde souterrain. Merci. Avec plaisir. C'est un tas de choses fascinantes. Oh, le vampire s'est assoupi. Des chatouilles. Hein? Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Une potion de guérison? Tu sais, ça sent un peu le poisson, ça. Je manquerai ça pour rien au monde. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Imposteur! Non, c'est toi! Sacré cercueil! Il y en a trois? Non, c'est toi l'imposteur! Vous êtes toutes les deux des imposteurs! Je suis l'original! Toi, t'es un imposteur! Moi, je ne le suis pas! Je crois qu'on devrait réduire un peu la dose de sang! Oh! Les amis, vous savez laquelle des trois est la vraie Wednesday? Voici un indice! On peut les différencier grâce à leur pendentif! Alors, vous pouvez deviner quelle Wednesday est la vraie ou pas? Il y a une fête au club des monstres ce soir! Tu es un humain! La fête est réservée aux monstres! Il faut que j'y sois! La chose, occupe-toi de ça! Une main? Tu ne pourras pas m'effrayer avec ça! Par là! Je ne vois plus rien! La chose, tu peux arrêter! C'est une blague ou quoi? Un vrai vampire? C'est l'occasion pour moi de me cacher dans la fête! Mort! Je ne ferai pas ça! Ah, Zoé! Je suis un vampire, puis-je assister à la fête? Le vampire le plus mignon de tous les temps! Je t'aiderai à gagner son cœur si tu m'aides! Mort! Zoé! Bon, d'accord! Ça sent incroyablement bon! Je meurs de faim! Tiens, mange! Oh ouais! Quelqu'un a soif, on dirait! J'en veux encore!
on va chasser. Il n'est pas question de chasser. C'est tellement vieux jeu. Allez. Oh ouais. Nourriture, nourriture. Hé, relax. Regarde plutôt et apprends. Je me sens mal. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu verras. Ambulance. Oh oh oh. Je peux t'aider? Prenons la température. Il est gelé à ce stade. Emmenons-le aux urgences. Je crois que j'ai compris. C'est délicieux. Bois tout ce que tu veux. J'en veux. Donne-moi un peu. Toi? Oh non, c'est mon repas. Va gagner le tien. Ok. Oh, je me sens... C'est un peu trop rapide. Je vais t'aider. L'eau te donnera un coup de pouce. La chose! Poule mouillée. Ne ris pas. Tu peux boire tout ce que tu veux tant que tu ne t'énerves pas. J'adore marcher, mais le soleil est un peu fort. Il me faut un parapluie. Quoi? La chose! Cette tenue me fait paraître plus mince. Oups! Ne plus jamais mettre les pieds dehors. Oups, désolé, ça arrive, n'est-ce pas? J'ai une idée. On va faire un masque pour le visage. Des larmes de bébé. Du sang d'un donneur. Et évidemment, une main secourable. C'est vraiment cruel. Remuons le tout. Et le masque est prêt? Oh, wow! Regardons ça. Encore combien de temps? La patience est la clé. Le temps est écoulé. Félicitations. Mon visage a l'air vraiment sympa. Bien sûr que oui. Top là. Oh, peu importe. Cet endroit est toujours aussi calme. Zoé est là. Voici les fleurs. Salut. Chad. Salut. Je t'attendais. Aïe! Quelle pierre tombale stupide! Voici pour toi. Merci. Tu peux m'aider à l'ouvrir? Bien sûr. J'ai du mal. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette canette? Des likes? Je vois. Et vous, les amis, likez cette vidéo. Et quand il y aura assez de likes, je pourrai ouvrir la canette. Ouais. Oh non, c'est tellement gênant. Oups. Utilise mon mouchoir. Merci beaucoup. C'est officiellement le pire jour de ma vie. Je ne le vivrai jamais. C'est fini avec Zoé. On n'a aucune chance d'être ensemble. Quoi de neuf? Comment devenir un vampire? Lisa? Je veux dire, je suis déjà un vampire. T'as pas remarqué? Comment devenir un vampire? Cool. Oh ouais, ça pourrait m'être utile. Merci. Yeah. Top là. Oh, c'est pas grave. 105, 106, 107. Ça suffit. Il me faut une pause. D'accord. Mais ça, j'ai deviné la taille. Ça te va comme un gant. Zoé, j'arrive. Ralentis. On va te coiffer. Wow. Non, tes lunettes, ça va pas marcher. Et c'est celle-ci. Merveilleux, je suis amoureux. Wow. Des selfies et des invitations. Zoé, veux-tu aller à une fête avec moi? Est-ce qu'elle va répondre? Elle a dit oui. Il faut que j'y aille. Merci. Je dois y aller.
ce billet est pour toi. Salut, Chad. Hein? Bon sang, qu'est-ce qu'il y a avec ce visage? Je ne me reflète pas dans les miroirs, alors comment je suis censée me maquiller? C'est dingue. C'est pas grave. C'est ce que c'est. Bonne chance. Pas question. Je veux dire, tu t'es déjà vu ou quoi? Mais j'ai une invitation. C'est un non. Nos tickets. Bienvenue. Chad, continue. Hein? Wednesday. Au secours. Zoé est là-dedans. Désolé. Je m'en souviendrai. Je me suis bien amusé. Au revoir. Waouh, quelle soirée. Tapement 5, mon frère. Oh, c'est pas grave. 5. Voilà. Comment va Wednesday? Il faut que j'aille la voir. Hé, la chose. Où est Wednesday? Regarde par toi-même. Qu'est-ce qu'il est ennuyeux. Prends ça. Et voilà. Elle va mieux que jamais. Oh non. Je dois m'excuser au plus vite. Salut, toi. Allez, vas-y. Bonjour. Je sais ce dont tu as besoin. Des cadeaux pour tout le monde. Dynamite, plantes, scie. Fais ton choix. Waouh, il y en a beaucoup. L'argent d'abord. J'ai 20 dollars. Qu'est-ce que je choisis? Les amis, dites-moi ce que je devrais prendre comme cadeau pour Wednesday. Voici une offrande. Allez, ne sois pas comme ça. Wednesday. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, ne t'inquiète pas. Je vais te sauver. Mais qui a pu faire une chose pareille? Où est Wednesday? Un portrait de la méchante. C'est la kidnappeuse de Wednesday. Zoé? Mais c'est n'importe quoi. Je vais la retrouver. J'ai une idée. Et la voilà. Tu ne pourras pas t'échapper. Maintenant, c'est moi la nouvelle Wednesday. Alors c'est vrai? Qui est là? Oh non! Je suis blessée! C'est pas moi! Chad! Wednesday, ça va? Tu es une menteuse, toi! C'est elle qui m'a fait du mal! Quoi? C'est pas vrai! Je ne comprends rien! Police! Oh non, quelle façon idiote de se faire prendre! Où est-ce qu'on est? C'est bizarre. T'es sûr que c'est la maison de grand-mère? Ne t'approche pas! Miam, miam! Au secours! Hé, les bébés, pourquoi vous êtes aussi timides? Oh, mes petits enfants! Vous inquiétez pas, les dents sont fausses de toute façon. Je plaisantais. C'est dégoûtant. Ah, j'ai failli oublier. Il faut que je prépare le dîner. On met la table et on s'y met tout de suite. Pourquoi vous criez? Je ne fais que trancher des légumes. Des légumes, d'accord. Oups. Oh, miam. Ah, du sang! Allez, c'est juste une tomate. Oh, je vois, c'était juste une tomate. Vous devez avoir soif. Tenez, savourez. Du sang! Imbécile, c'est du jus de tomate. Du jus de tomate, hein? C'est du sang! Cours! Mais où est-ce que vous allez? C'est assez frais. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Ça suffit. Il faut qu'on sorte d'ici. Mais comment on fait? Reste calme. On va trouver quelque chose. Il y a une porte. C'est une sortie. Allons-y. Attends. Cette plante carnivore est dangereuse. Hein? Ça?
C'est juste une plante dans un pot. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux? Regarde, c'est la chose la plus mignonne qui soit. C'est vraiment dangereux. À l'aide! Je te l'avais dit. Ouf, va te faire voir, toi. Appelons nos parents. Maman, sauve-nous! Hé, les enfants! Qu'est-ce qu'il y a? Votre grand-mère est la plus gentille. C'est un ange. Traitez bien votre grand-mère, d'accord? Nous, on doit partir. Quoi? On est venu rendre visite à la mauvaise grand-mère. Les enfants, j'ai tricoté quelque chose. Ah! Il est temps d'améliorer ce bonnet. C'est très vivant, tout ça. Il faut qu'on se défende. Descendons l'ennemi ensemble. Une croix d'argent. De l'ail. Aïe! La balle a roulé, c'est dommage. Où est-ce qu'elle est? Mais il faut utiliser l'argent. Non, l'ail. Je dis que c'est l'argent. Je sais pertinemment que c'est l'ail. Oh, t'es tellement têtu. Les amis, si vous pensez que c'est l'argent qui est le moyen de nous défendre, appuyez sur le bouton j'aime. Et si c'est l'ail, laissez un commentaire ci-dessous. Voyons qui gagne. Et pourquoi pas un pieu en bois, juste pour être sûr à 100%. Plan B? Non, plan A. Ils sont tellement fougueux. Voyons comment se portent mes réserves. Vide? Il est temps de les remplir. Allez, mamie, bouge-toi! Banque du sang. Je suis presque là. C'est par là. Oups! Je suis tellement maladroite. Quoi? Je peux vous aider? Voilà, c'est à vous. Et n'oubliez pas vos lunettes. Merci, vous êtes adorables. Sans les lunettes, je ne suis rien. C'est par là. Faites attention. Bonne chance. Merci beaucoup. La banque du sang est proche. Levez le pouce si vous aidez les personnes âgées, vous aussi. Me voilà. Exactement ce qu'il me faut. Je vais libérer de la place dans mon sac. Alors, voyons. Comment cambrioler une banque? Ne bougez pas, c'est un braquage. L'alarme va se déclencher. Et là, c'est trop tard. Ne me dites pas chute. Oups. Tu l'as bien cherché. Hein? On ne plaisante pas avec grand-mère. Kia! T'es grillé. Attrapez-la. Gardez ça pour le juge. Beau travail. En attendant, je vais faire mes réserves. Merci de m'avoir aidé à arrêter un dangereux criminel. C'est le moins que je puisse faire. Incroyable, les journaux parlent de moi. Je dois cacher ça. C'est un souvenir. Qu'est-ce qu'elle garde dans l'autre boîte? Il faut le découvrir. Les enfants, je m'en vais. Donnez-moi une seconde pour me transformer en chauve-souris. Les ailes seules ne suffiront pas. Oups, ça fait un moment que je me suis pas entraîné. Encore une fois. Elle s'est envolée. Ouvre la boîte. Il y a de vieilles photos. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que notre grand-mère a un petit-fils vampire? Maintenant, tout s'explique. Un numéro de téléphone? Composons-le. Ça appelle. Hey! Incroyable! Regarde-toi! Mon doux bébé se balade chez mamie! Arrête, mamie! Comme c'est mignon! On a réussi! Oh! Oups! Il faut qu'on y aille! Salut! Chérie, tu veux jouer comme au bon vieux temps? Ouais, bien sûr! Serge! Frappe! Oh, grand-mère, il est temps pour moi d'aller chasser. Très
très bien. N'oublie pas la Pokéball et le filet. Merci, grand-mère. Amuse-toi bien. C'est lui. Le filet est prêt. Oups, désolé. Pika, pika. Suis-le. Reste calme, je m'en occupe en rien de temps. Pikachu, tu es foutu. Il est temps d'aiguiser les crocs. Il ne s'échappera pas. Génial. Oh, mes yeux. Je suis aveuglé. Je m'en mêle. C'est à cause de toi qu'on n'a pas déjeuné. C'était pas intentionnel. Oh, bien sûr. Il nous faut un appât. Les Pokémon électriques sont fans de piles. Pikachu ne pourra rien faire. C'est chose faite. En gros, on l'a dans la poche. Pika, pika. Oh, les piles, je les adore. Pikachu verra les piles et ensuite viendra vers nous. C'est elle. Ça a marché. Et boum, badaboum. Tu es dans mon piège. Voyons voir quel est le goût de Pikachu. Stop. Quoi? Pikachu est accompagné d'ail. Oh, on n'aime pas ça. Je vais m'étouffer. Quelqu'un ne va pas déjeuner aujourd'hui. Non, elle s'est enfuie. Ne bouge plus. Ah, encore de l'ail. C'est si chaud. Loser. Sérieusement, je me suis brûlé. Bon sang, je dois tout faire moi-même ici. Pikachu, va dans la Pokéball. Regarde, c'est comme ça qu'on fait, fainéant. Regarde si tu peux t'échapper maintenant. Toi, la pile qui a des jambes. On peut enfin manger. Quoi? Oublie ça. Je déjeune d'abord. Je veux dire, moi aussi j'ai faim. C'est pas juste. Je vais me désinfecter les mains, ensuite ce sera bon. Non! Une serviette pour rester propre. J'ai tellement faim que je vais m'évanouir. Ce coup a l'air délicieux. Attends un peu. Un dîner chic nécessite un rouge à lèvres chic. Sérieusement? Je meurs de faim. Dépêche-toi. Comment est-ce que tu oses me bousculer? Mets un peu de piment. Je suis coincé ici pour toujours. Allez, allez. Tout ça est épuisant. Il me faut 5 minutes. Tiens, je fais une sieste. Et c'est moi qui reste là? Réveille-moi dans 200 ans. Est-ce que quelqu'un va mordre ou quoi? Hé, toi! Patience. Toutes ces responsabilités, ça m'écrase. Je suis trop nerveux. Fais-le. J'en peux plus. Maintenant! Oh non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une allergie à la serviette. Pikachu, réveille-toi! Oh non! Son rythme cardiaque s'affaiblit. Les amis, il n'y a que vous qui pouvez aider Pikachu. Cliquez sur le pouce en l'air, je vous en supplie. Maintenant, on a notre propre Pokémon. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Pikachu se réveille. Combien de temps je me suis absenté? Pourquoi il fait si sombre? Non, Pikachu, pas ça. Pikachu. Plus de lumière. Pikachu. Ah, c'est quoi ça? Où tu vas? On doit se faire passer pour des vampires et se cacher dans leurs repères. Il nous faut des crocs. Et une peau pâle. Les vampires ne pourront pas nous distinguer. Les vampires portent toujours des capes noires. Tiens, j'ai une super paire de dents artificielles. On est prêt à répandre la terreur. Attends, tu n'es pas assez pâle. Le maquillage prend une éternité. Faisons ça plus simple. Il nous faut encore des yeux rouges pour un regard mortifère. Tiens le téléphone, Psydeck. Concentre-toi. Super. La couleur des yeux est parfaite. Pikachu, on t'apprend à te transformer en chauve-souris. Prêt? Concentre-toi. Pense à une chauve-souris et deviens une chauve-souris. C'est clair? À toi de jouer. Ouais. Oh non, non, non! T'en fais trop. T'es prêt? Essaye. Oups. Burk! T'as relâché l'air du mauvais côté. Oh, ça sent pas bon.
Désolé, j'ai pas fait exprès. Très bien, Jenna. On va s'envoler d'ici. Attendez, je vais réessayer. Nous voilà dans le repère des vampires. Ils ne se douteront de rien. On voit des lits. Ce sont des Pokémon? Non, on est des vampires effrayants. Tout comme vous, regardez, vous ne voyez pas? Ah, c'est trop drôle, le déjeuner est venu jusqu'à nous. Ah, oh non, 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 ne nous mangez pas. Jigglypuff, j'ai sommeil. Quel Pokémon crédule! Vous précipitez pas, il y a une bonne vieille méthode de protection. Un cercle sur le sol. Maintenant, vous ne pouvez plus nous atteindre. Hein? Quoi? On ne peut pas, c'est vrai? Comment ils ont fait ça? Je sais. On va appeler un pro. On va tenter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non! Faites-vous plaisir. La porte n'est pas verrouillée. Déjeuner, viens voir maman. Jiggly, va chercher l'eau bénite. Bien vu. Oh, non! Ma peau de vampire! Bien pensé. Merci. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai soif. Voyons. Oh. Alors que ça sent pas bon. Je vais pas boire ça. Oh. Par contre, j'adore le jus de tomate. C'est si bon. Et c'est encore meilleur avec un burger. Je suis épuisé. J'ai pas d'énergie. Eric, tiens bon. Le cœur. Prends ça. Ça ira mieux tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Ça a un goût bizarre. Oh non, Eric. Du jus de tomate? Pikachu! Quoi? Oups! A positif, mon préféré. Joue avec moi. Jenna, c'est à toi de jouer. Non, toi, tu vas jouer. Allez, bougez-vous, bande de paresseux. Joue avec ton enfant. D'accord, on y va. Oh, c'était un éclair, ça? Non, plus jamais. Tu veux continuer à jouer? J'irai pas là-dedans. S'il te plaît, Jenna. D'accord, voilà une tablette. Elle est chargée de jeux vidéo. Pikachu. Les voilà. Oh, des vampires. Va dans la Pokéball. Je vais te lancer là où tu dois aller. Vas-y, occupe-toi d'eux. Aïe. Mon croc. Ça doit être des monstres. Stupide Pokéball. Oh. Qui l'a jeté ici? À partir de maintenant, tu es mon trophée. Comment un Pokémon a-t-il pu entrer là-dedans? C'est donc toi qui as assommé mon cher Fang. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Pikachu? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dépêche-toi, mort là. Allez, allez. Moi? Très bien, pas de problème. Tiens. Hein? Ça me dit quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? C'est une épidémie de vampires ou quoi? Quoi? Jigglypuff? Notre Pikachu! Elle est devenue un Pokémon! Cette malédiction s'abat sur tous les vampires! Ça suffit maintenant! Aïe! Ma jolie tête! Waouh! C'était moi une! C'est à cause de toi, espèce de beignet rose! Je t'ai pas dit d'arrêter de chanter? J'ai tellement faim! Hé, les vampires! Vous voulez des délicieux burgers? Regardez ce que j'ai là! C'est meilleur que le sang! Tellement délicieux! Je crois que j'adore ça. Merveilleux. Quelqu'un veut bien me détacher? C'est nouveau comme nourriture ou quoi? T'inquiète pas, c'est délicieux. Waouh, c'est vraiment délicieux. Ouais, ils ont adoré ça. Plus de sang. On va faire la fête. Chante pour nous, Jiggly.
Enfin, le sang royal est un pur délice. On dirait que quelqu'un n'a pas lavé ses chaussettes depuis longtemps. Passons à la princesse suivante. Mignonne, c'est moi en premier. Mais pourquoi? Bouge! Ah, c'est chaud! Chut, ne la réveille pas! La bougie n'a rien à faire ici. À la poubelle! Oh non! Alarme incendie! On s'en va! Qu'est-ce qui se passe? Au feu! Oh, c'est pas vrai! Ne bougez plus! Vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel. Les filles, calmez-vous! Monsieur l'agent, laissez sortir les filles, je vous en supplie. Non, elles ont commis un crime, alors une punition s'impose. C'est cruel. Il y a une autre solution. Et si... Marché conclu. J'ai toujours rêvé d'essayer une robe royale. Quelle journée merveilleuse. Au revoir, monsieur l'agent. J'ai compris. Les chapeaux ne sont plus à la mode. Laissez-nous sortir tout de suite. Où allez-vous? Purgez votre peine. Je ne vous quitterai pas des yeux. Quoi? Allez, maman. C'est pas juste. Il faut agir. Studio de décoration d'intérieur? J'aimerais passer une commande. C'est encore loin. C'est eux. Le commissariat est là-bas. Ouais. Prends les cartons et vas-y. Livraison? Gardez vos distances. Apportez les boîtes dans la cellule. Quoi? Très bien. Ouais, ma livraison. Je vais te donner des ordres pendant que tu déballeras tes affaires. Est-ce que c'était une option? Les vieux posters seront remplacés par de jolis autocollants. Joli. Et les coussins ont leur place sur le lit. C'est tout? Une boîte? Quelle aubaine! On met les rideaux un peu plus à droite. Voilà. Pas mal. J'aime bien. Tout ce qu'il nous faut, ce sont des ciseaux et un peu de patience. À gauche. À droite. Et voilà. Ma moitié de la cellule sera tout aussi bien. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Impressionnant. Reprends-toi tout de suite. Quelle belle chambre. Fini de roupiller. Il faut s'en aller. Sortez d'ici. Quelle belle dent! Oh, pour l'amour de Dieu! Stop! Vous avez pénétré dans une zone sécurisée. Où sont les feux d'artifice pour nous accueillir? Chut! Alarme! Des intrus! Restez où vous êtes. Vous avez besoin de quoi? Je suis un prince. Je cherche ma princesse. Chut, je risque de devenir sourd. Un prince, c'est merveilleux. Tu es au bon endroit. Sois le bienvenu. Celle qui rentre dans cette chaussure deviendra ma femme. Ce sera moi. Ça ne marche pas. Allez, bébé, ça va s'arranger. Pousse-toi. Non, cause perdue. Pourquoi la chaussure est-elle si petite? Donne-moi la chaussure. Oh, à moi. Je suis aussi une princesse. Ça te va comme un gant? Enfin. Peur que cette odeur. Les chaussettes sales, j'aime pas ça. Ce sont les seules que j'ai, désolé. Je me sens mal. Oups. Oh oh, le prince s'est évanoui. Je vais m'occuper de lui moi-même. Mes filles, votre comportement exemplaire vous vaut une promenade. Venez. Marchez, respirez l'air frais et profitez de la belle nature. Quel endroit magique! C'est elle! Allons-y! Tout de suite! Oh, quelle puanteur! Il faut se rafraîchir. Dentifrice? Qui est derrière les arbres? On se dépêche! Attends! Burk! Ça va beaucoup mieux maintenant. Ajoutons un peu de romantisme. Alors ça, c'est un bouquet digne d'une princesse? Ok, je vais ajouter du papier. Ça va mieux maintenant? Salut, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est adorable. Un instant. Ça ne sent pas, j'imagine. Je suis contente. Pareil.
Ouais, ça a marché. Voilà pour toi. Merci. Ça a marché. Vol. Qu'est-ce que c'était? Oh, c'est pas vrai. Ça a l'air dingue. Les vampires sont une vieille tendance. Les rayons du soleil. Ça brûle. Je propose de la retransformer en princesse. Kaya, voilà pour toi. Ah, d'accord. Elle est effrayante. Je vais arranger les choses. Attends un peu. Les guimauves vont neutraliser les crocs. Kaya, bébé, reste calme. On va retoucher un peu ton glam. Non. Bye bye. Oups, la robe. Kaya, tu es toute nue. La robe est restée dans la cellule. Incroyable. Ok, c'est bon, t'as gagné. C'est l'heure d'aller au lit. Enfin, c'est l'heure du dîner. Mais tu ne peux pas. J'ai faim. Maman, bébé, on prend tes intérêts très à cœur. Montre tes crocs. Pas le dentiste. C'est bon. Et voilà, plus de crocs. Waouh, c'était une sacrée surprise. Voyons ce que la petite souris a laissé. Je suis pleine aux as. Super, appelons une maquilleuse. C'est la première fois que je travaille dans un endroit pareil. L'argent d'abord. Bien sûr. Allons-y tout de suite. Un peu de maquillage ici, on éclaircit par là. C'est fait. Waouh, tu es superbe. Maintenant, je suis une princesse riche. Non, c'est moi la princesse riche. Les amis, quelle princesse préférez-vous? La riche Zoé ou la riche Kaya? Commentez ci-dessous. C'est le pyromane. On te l'avait dit. Incroyable. Les filles, calmez-vous. Je sais ce qu'il faut faire. Je me sens mal. Je suis en train de mourir. Est-ce que ça a l'air plausible? Non. C'est mieux comme ça? Eh bien, pousse-toi. Je vais te montrer comment on fait. Elle est morte? Incroyable! Elle fait semblant! Ah, génial! Un peu de ketchup pour que ça ait l'air vrai. Ne bouge pas. Regarde, c'est une princesse! Une proie facile! Les voilà! Je les ai! Elle est vivante! Sentez ça! Non, sauvez-moi! Ouais, ça a marché! Ils sont derrière les barreaux. Justice a été rendue. Laissez-nous sortir, ça ne se reproduira plus. Voici les meilleurs tueurs de vampires. Hé, hey, tu veux venir au bal de promo avec nous? Les humains pathétiques. Écarte-toi. Eric. Et moi. Je suis un grand fan. Est-ce que je peux avoir un autographe? Un marqueur? Ça ne sert à rien. Toi aussi? Ouais, j'ai attendu une éternité. Ah, je me sens un peu malade. Alors content maintenant? Je suis un vampire. On est deux. Tu vas le regretter. C'est horrible. J'ai le cœur brisé. On peut arranger ça. J'ai une idée. Le livre des sorts va nous aider. Le voilà. Oh. Chut. Wednesday, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh non!
Wednesday, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas comment t'aider. Hein? Est-ce que vous êtes un vrai docteur? Bien sûr que oui. Elle sera sur pied en un rien de temps. Désinfection. Quelle méthode sauvage! Miam! Hein? Wednesday, tu es de retour! Wednesday, je suis prête! Mort! Stop! J'ai failli oublier! Il nous faut du brillant! C'est pas tous les jours qu'on devient un vampire! Mort! Oh non! Les paillettes et moi, ça ne va pas ensemble! Être un vampire, c'est un gros coup de barre! Évidemment! Maintenant, on est des vampires! Des vampires? C'est ridicule! Les vampires n'ont pas de smoothie aux fraises! Oh non! On a été dévoilés! Loser! Wednesday, fais quelque chose! Enfin, je veux dire, c'était drôle! Quoi? Oh non, c'était horrible! Il me faut une cachette! Mais la porte est fermée! Les amis, likez cette vidéo pour m'aider à me cacher des méchants vampires! Hé! Hey, allez, courage! Salut la chose! Je peux tout à fait comprendre! Je me suis déjà déguisé en vampire pour me faire des amis à l'université! Je me suis procuré de faux crocs et j'ai même essayé de siffler comme un vampire! Mais les vampires se sont tous moqués de moi. Ils ont dit que je ne leur ressemblais pas du tout. Pauvre chose. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut s'unir. Tiens, regarde, la roue de la fortune. On va se refaire une beauté. Alors t'es tombé sur quoi en premier? Les crocs. Voyons voir. Waouh, c'est magnifique. Oh non, un bouton! C'est pas le bon moment! Ne panique pas! On peut réparer ça! Mais comment tu vas faire? Commençons par une mousse nettoyante. Nettoyons ton visage. Arrête! Je suis chatouilleuse! Ensuite, le masque de beauté. C'est plutôt bien, ça. Super. Ensuite, le maquillage. Oh non, mes couleurs préférées de l'arc-en-ciel vont devoir s'en aller. Seulement du blanc, très ennuyeux. Ouais, bon, eh bien, je vais essayer. En fait, le pâle me va plutôt bien. C'est quoi? Des lentilles rouges? C'est fait. Ensuite, les ongles. Waouh! Waouh! Fantastique! Je me demande ce qui se cache ici. Voyons voir. Hein? Les amis, vous avez deviné ce qu'il y a ici? Commentez ci-dessous. Un vampire a besoin d'une tenue spéciale. Oh, cette robe est magnifique. Waouh, merci pour ton aide, la chose. Oh non, t'es toujours pas un vampire. Allonge-toi, je vais te faire une perfusion de vampire. Ça devrait faire l'affaire. Et voilà. Wednesday, tu me manques tellement. Hein? Quoi? J'ai une idée. Wednesday, il y a une lettre pour toi. De qui ça vient? Enid, il y a une lettre. Oh. Une lettre? C'est inattendu. Voyons voir. Pardonne-moi. Se rencontrer en plein jour était une mauvaise idée. Il fait super chaud ici. Ouais, le soleil tape plutôt fort. J'ai reçu ton mot. Mon mot? Hein? La chose. Voilà pour vous. En gage de réconciliation. Waouh, des lunettes. Parfait. Ami? Bien sûr que oui. On est de retour. Hein? Wednesday, hein? Qu'est-ce que tu fais avec cette loseuse? Ah, moi? Hors de question. C'est plus qu'une loseuse.
Wednesday et moi, on est meilleurs amis. Te mets pas en colère. T'as besoin d'un petit coup de frais. Hein? Comme c'est méchant. Oh non, mes crocs. Ils ont disparu. Elle a tout gâché. Tu pourrais en avoir aussi. Oh non, qu'est-ce que t'as fait?